Quoi-t-il? President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. Before I hand over the floor to lead co-lawyers for civil parties and co-prosecutors to put questions to this civil party, the chamber would like to inform parties and the public that since the chamber needs to provide time for the defense team to the debate or the discussion concerning civil parties who will be testifying before this court, le débat autour des témoins and in order éventuellement to find la chambre, proper solution for the afin matters. De une solution en bonne et due forme. After the chamber question, hears the testimony of the civil party, eh bien, and after questioning by the civil part of the civil party by the co-prosecutor and lead co-lawyers, the chamber will adjourn its hearing today. In addition to this, the trial chamber will not sit next week. La semaine prochaine. The remaining issues will be notified to party toutes via email in due course. Seront notifiées aux parties par email en temps utile. So please be informed. Soyez there are some matters which are requires the chambers to decide in due course, and the parties will be notified in relation to the remaining issues in due course. En temps opportun et on notifiera les parties. President, please, Judge Fens, you have the floor. Judge Fens, vous avez la parole. I believe it might help if I try to clarify the translation in English. The chamber will adjourn today after co-lead lawyers and prosecutor have questioned this civil party. So defense questioning will happen after a break. This was the reference to the civil parties. It's not general, it's to this civil party. Couple of issues have been raised this morning. The chamber will deliberate on these issues and will inform the parties in due time. But in order to give early notice, we already announced that we are not sitting next week. Does that clarify issues for the time being? Yeah. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je me permets de demander une ultime clarification parce que mon confrère Khmer n'a pas compris la même chose que moi. Si nous comprenions bien ce que dit la Chambre, c'est que M. Hillman va devoir revenir la semaine prochaine. J'informe simplement la Chambre qu'il est là depuis 5 jours déjà et c'est forcément très compliqué pour lui de revenir la semaine prochaine, mais je prends acte de la décision de la Chambre sur ce point. The Chamber's decision in that regard. President, we will only hear the civil parties
until the first session. We only hear this civil party in the first session only. Première session cet après-midi. Because we will give time to the defense teams to read the documents for preparation in questioning other civil parties and other witnesses. And next, the following week, the week of 28 September 2015, the chamber will resume its hearing and will give the floor to the defense team to question the civil parties. Aux équipes de défense pour qu'elles interrogent la partie civile. And as you are all informed already, the chamber will deliberate and discuss the remaining issues raised by party, and the chamber will notify parties in due course in relation to those remaining issues to be discussed by the chamber. Tout ce qui doit encore faire l'objet de délibération par les juges. Now I would like to give the floor to LIDCO lawyers for civil parties to put question to this civil party. You may now proceed. Lawyer Lau Junti, thank you, Mr. President. Good afternoon, the chamber. Good afternoon, everyone in and around the courtroom. I will now resume my questioning. Mr. Himan, this morning I asked you about the time when you were hiding in the bushes. And at that particular point in time, you heard the screaming. Dans les arbustes, et vous avez dit que vous avez entendu. How many days were you hiding in those bushes, and what did you do during that few days? Pendant ces quelques jours. Answer. I was planning to hide in the pond. However, because I was afraid that the militiaman would see me, I decided to hide together with my wife in the bushes. I would have been in dangerous situation if I decided to run to any other places besides the bushes. I heard the screaming. I presume it happened around 7 or 6 p.m. at that time, the screamings. Oh my Allah, please help me. Oh Allah, aide-moi. So I believed that the sound, the screaming for Allah, for help, perhaps belongs to my mother and my older brother. De mon frère aîné de and ma mère. I presume that those people Je who were screaming qui were Cham people des personnes because Cham. They were screaming for Allah to help. Puisqu'elles appelaient Allah Counsel en aide. Interrupted. Did you move to any other place at that time while you were hiding? Tandis que vous vous cachiez. Answer. I told Réponse. My wife that she should be waiting for me in the bushes. J'ai dit à ma femme de m'attendre dans les buissons. Go to see what happened. Je lui dis que j'allais At voir that ce time, qu'il s'est passé. I was leaving the bushes in order to look for any weapon. J'ai quitté les buissons pour voir and si I want to see arme. How many Je people were still staying in là, the pagoda, dans la in the mosque. Ou dans la mosquée. I could not find a single weapon at that time to help myself, so I decided to go to see villagers in my own village. We used to
We used to eat together the cold rice, ensemble, and I hope that they could help me. Qu'ils pourraient m'aider. I could not go to help my people, the Jam, because I was not able to find a single weapon. My physical strength started to get weaker and weaker. De plus en plus. Some of my relatives, some of my neighbors had gone. So I had no hope in myself. Donc plus aucun if espoir. I was able to help my people at that si time, I would aider. Go to help them. Counsel, where did you go afterwards? Question, et qu'avez-vous fait après? President, please hold on, Mr. Witness. Monsieur le témoin. Please observe the microphone. Veuillez attendre que le voyant du micro soit allumé. Answer. Réponse. I went to Tajib's house. I went westward à la maison de Tajib, and I climbed up en direction de l'ouest. Many houses to see whether there were Jam people in those houses. Those houses. I went up into Tajib's house. I saw no one. Je suis allé dans la maison de Tajib et je n'ai vu personne. And I stepped down the house. Crying, weeping, je suis descendu and I was thinking in my mind that Jam people had already been taken away. Only my wife and I were still living at that time. It was around 4 a.m. on that day that I went up into the house. I came back to see my wife and discuss where to go. We moved into a pond and stayed in that pond. Étang et nous sommes restés dans cette the étang. Day after, in the morning, le they matin, fired M79, B40, AK rifles. They fired these kind of weapons at me in the pond. Ils ont tiré dans and ma direction dans l'étang. The bullets did not hit me and my wife, but touché, I could sense the trembling. Et pourtant, I was so afraid at that time, and j'avais tellement peur. Decided to stay under the water, otherwise I would have been killed. Si je n'étais pas resté sous l'eau, j'aurais été tué. I told my wife at j'ai that time, ma femme à ce moment-là, that we were receiving multiple shots at that time, not just a single shot. And my wife followed me and listened to me to stay under the water during that time. Counsel, thank you. So how many days did you stay under the water? President, please observe the microphone before you speak, witness. Avant de parler, Monsieur le témoin, attendez que le microphone soit allumé. Answer, I was staying under the water perhaps for 8 days. I was so hungry at that time. J'avais tellement faim. And I observed that the rat had eaten the roots of the water hyacinth. J'ai observé que la racine de la jacinthe I wanted to know how many days you were staying under the water in the pond. You have just mentioned that you stayed under the water for a period of 8 days. Is that true? 8 jours, est-ce que c'est exact? Answer. I spent time running around for réponse. 8 days. And I observed that the roots of a water hyacinth were eaten by the rat close to the pond bank. So I decided to stay under the water. At that time, I had no meal to eat. I ate snail, frogs, des escargots, des grenouilles,
toads and other insects. Et d'autres insectes. And when I relieved myself, et pour me soulager, I could see that there was no smell because I ate only vegetables and these insects. Que des insectes et des interrupted légumes. By council. La partie you said you had no food to eat, so how could you survive? Par l'avocat qui demande, mais si vous n'aviez rien à manger, comme vous le dites, comment avez-vous fait pour survivre? Le président, monsieur, veillez à attendre que le microphone soit allumé. Answer, I was hiding in the water hyacinths. Réponse, and je me at night time, I would pull the truss tree and I spend time sleeping on the branches of truss trees. In the water, there were snakes everywhere. And in the morning, I would arrange the truss tree, those branches, je réarrangeais les branches to cover de l'arbre me and my wife so that no one could see. Pour me couvrir, moi et ma femme, afin que personne ne nous voie. So I stayed in the lake, in the donc pond, je suis resté dans le lac, dans in le the temps, water hyacinth. So I was d'eau. Moving around in the water je and I hit l'eau. Myself in je the water hyacinth and also with the help of branches of truss trees. Et également caché sous des branches d'un it was type d'arbre. A terrible situation, c'était Mr. Une lawyer. Situation absolument épouvantable, Monsieur l'avocat. Question. While you were hiding question. In the water, tandis que vous when vous did cachiez you dans l'eau, leave and when did you come à quel out moment of the water? Sortiez-vous de l'eau? À quel moment êtes-vous parti? Answer. I was hiding in the water and réponse. I would go out je of the l'eau. Pond or lake with the help of water et rising, and I was staying in the water like the crocodiles. Comme un and on one particular time, à un moment donné, the water was rising, le niveau flooding de l'eau s'est the élevé village. Et so I went out of the water. Le village. C'est à ce moment-là que je suis sortie de l'eau. One day, I went out of the water and I jour, found a papaya and I could pick up two papaya, not ripened deux, yet. It was so delicious mûre, because I délicieux. Had no food for parce a period rien of dans 3 months and 29 mois. Days already. Jours, déjà. I encountered two papayas at that time, so it was so delicious to eat the unripe papayas. I had no food for a period of 3 months and 29 days. Je n'ai rien mangé pendant 3 mois et 29 jours. Question. You question. Stated that you were hiding in a period of 3 months and 29 days. So how did you know very exactly about the time you were spending, you were hiding? Combien de temps vous aviez President, passé please observe the microphone, civil party. Monsieur la partie civile, attendez que le microphone soit allumé. Answer. Réponse. The reason that I know that I was hiding for 3 months and 29 days because I je le sais counted, parce que je les ai comptés. The day j'ai compté le nombre de jours. From time to time. De temps en temps. So I could tell you that it was like a year hiding in that place. Et donc je peux vous dire que je suis resté près when d'une année when we spent à me only one day in the pond or in the bushes. Nous avons passé une journée dans les buissons. So my wife and I started to count the days when we went into hiding. Lorsque I was nous sommes partis nous cacher. Sunburned. Moi, j'étais brûlé par le and soleil. And the plaster would came out from my the skin would came out from my plaster sometime.
Because of the sun. À cause du soleil. Counsel, you stated that you went into a village to look for a weapon to help Cham people who had been arrested. And you stated arrêté. That your older sibling was arrested. What was his or her name? Arrêté. Quel était le nom de votre frère ou votre sœur aînée? The name was Ahmad Kamel. Réponse, c'était Ahmad Kamel. And my mother was also arrested, Lap Lee. Ma mère, Lap Lee, a également été arrêtée. Was another one among the group. Ma mère a également été arrêtée. Amina. Lap Lee faisait également partie du groupe. Amina. Tony. Tony. Ibrahim. Ibrahim. Kahwa. Kahwa. And other neighbors and relatives, distant relatives, they had all been arrested. I did not lose only close relatives and siblings, my distant relatives also disappeared, so I could not help them. Et je ne pouvais pas les aider. Counsel. I have another question, perhaps it is the last one. J'ai encore une autre question. Do ce you know the names dernière. Of militiamen in your area? Des miliciens là où vous étiez. Answer. I know some of them. Réponse, j'en connais certains. I was afraid of my life and J'avais peur pour ma vie. Recognize some militiamen. One was young. He was part of the long sword group. Par exemple, faisait partie du groupe des longues épées. Chap. Chap. Également. Chap. There were other members of Chap et il y avait militiamen. D'autres membres, but I d'autres could see the two individuals I have just mentioned very clearly. Many militiamen at that time. Essentiellement des miliciens. I did not pay attention who the militiamen were because I was afraid of my life. But I could see the two individuals, Chap and Jung, very Jung. Clearly. I do not know where they were living during the period. Je ne sais pas où ils habitaient à cette période. Counsel, thank you. Do you know L'avocat, a person by the name Duen? Du nom de Duen? Answer yes. Duen. There was another member, but I do not know where he is living now. Mais je ne sais pas où il habite maintenant. Lawyer, thank you, Mr. President. I would like merci, to hand over the floor présent, to the international colleague. À ma consœur internationale. Je remercie mon confrère. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, monsieur la partie civile. Je vais vous poser quelques questions pour vous permettre de continuer votre récit en reprenant à partir du moment où vous étiez dans le lac caché avec votre femme. Une petite précision tout d'abord sur le temps que vous avez passé dans le lac. Vous avez indiqué un petit peu plus tôt cet après-midi avoir passé 3 mois et 29 jours cachés dans le lac et avoir compté ces jours. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? I did count the days. I did not ask other how many days I was hiding. I was hiding for 3 months and 29 days. I survived the regime because I ate eels and other vegetables. I could find
eel, one eel at that time. I ate the internal organ, although it, the organs were smelly. I tried to eat together with my wife. J'ai essayé de manger avec ma femme. So how could I survive at the period thanks to vegetables those insects, snails, and small fishes, petits poissons et aux légumes. I could survive. I ate everything at that time like a rat. If there were no vegetables and there were no other food for me to eat, I could have died and I could not live for a period. I could not live for a period of 3 months and 29 days. Je vous remercie. Vous avez décrit tout à l'heure la façon dont les cham ont été rassemblés et amenés vers des fosses. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. À quelle distance se trouvait le lac où vous vous étiez caché des fosses que vous avez décrites ? Answer. Réponse. I want to ask you, do you know the distance? J'aimerais vous demander si vous voulez from connaître la distance qui pond and or lake or from the field where I was hiding. Par rapport au lac, I'm not quite clear your question. Au champ où je me cachais, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. The distance, la distance from the pond to the field was perhaps 200 meters away. Était peut-être de 200 mètres. I could not tell you the exact distance. Je ne pourrais pas vous dire quelle était so la distance exacte. I did not take time to measure the distance. Pas pris le temps de mesurer I la distance. Was trying to keep myself alive. Je me contentais d'essayer de survivre. Sometimes I could smell the stench, parfois bad je smells. Sentir une puanteur. And if the dead bodies were et floating si in the river and I could reach them, I may have eaten atteints, those dead bodies because of hunger. Tellement j'avais faim. I had no food, no rice to eat for a period of 3 days and 3 months and 29 days. I was so hungry, as was my wife. Et ma femme aussi. I could smell the stench from the grape pit where my mother died. I had a long breath to smell the stench so that I could know what the stench was. J'ai reconnu and people might ask me why I was trying to take a long breath to get the stench. J'ai respiré profond pour ressentir cette odeur. I am here to testify before the chamber. I am not a novelist. I am not here to create a story. Je ne suis pas ici pour raconter une histoire. So the stench at that time, I could say, you know, it was a good smell for me because of hunger. Although I know that it was a stench, but I seem to say that it was a good smell. Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous êtes à un moment sorti du lac et où vous êtes allé? Why you came out of the lake and where you went? Nhóm tranh phía xa từ vịnh nắng làng mỏ thông tư left the pond từ cái I was going to any place that would be safe for me. Actually, I was planning to go to Vietnam. En sécurité, en fait, j'avais prévu d'aller au Vietnam. How could I? Mais comment m'y rendre?
And that's what I was thinking, and that what was in my mind at that time. Ce que je pensais. Actually, at that time, the water rose, and le niveau de l'eau a monté. Water. Water hyacinth was floating in the river, and I was about to go down that road. Il y avait donc des jacinthes d'eau. But then I was caught, bitten, mais and put into on m'a attrapé, on m'a battu. A former corn band, and I was caught by members of the longsword. Grange à they maïs, were c'est les longues épées qui m'ont retrouvé. At the upper part of the corn barn, and I was detained downstairs. Étage de la grange, and actually, I was about to be sent to be killed at the outer cone pagoda. J'allais être envoyé pour être exécuté à outer cone. I had a strange feeling at the time. J'avais un sentiment étrange. In fact, my chest was pounding. Je sentais. It seems that des battements dans ma poitrine. It pounds so hard that it seems that my chest was enlarged. J'avais l'impression que j'avais la poitrine élargie. And I was about to kick a pig nearby. Somehow the people living nearby begged the Khmer Rouge to spare my life, since I was not involved in any accused activity. Plutôt convaincu les Khmer Rouges de m'épargner car je n'avais pas and participé à des activités. And the chief said, "Let's spare this charm couple, since there were no charm living in the village anymore, and it seems to be gentle enough." Et il semblait and that was the doux. Reason. I was spared, and if actually Khan himself said I would not do anything stupid, and that I would only stay and live in the village, rien faire de stupide et d'habiter he spared village. Me because I knew how to épargné, retrieve the tangled web and net at the bottom of the river. I was skillful in blacksmithing. And bon that were the main reasons that I was spared. Et c'est pourquoi, c'est and les raisons this is part of the stories on that I survived. C'est mainly because de ma of my swimming skill, surtout grâce the skill grâce to retrieve bon the nageur, tangled net, for instance. Aussi récupérer les filets. Je vous remercie. Est-ce que la grange, pour être très clair, la grange se trouvait-elle au village de Saxo, votre village natal? Et êtes-vous dès lors retourné dans le village de Saxo quand vous êtes sorti de votre cache? When you came out of your hideout, did you return to your village, Saxo? I was arrested at the bamboo booth in Saxo, and I was sent to Sambomir. Saxo, et on m'a envoyé à Sambomir. And I was actually detained in that old corn barn. That was like a temporary place for people to be detained there before they were sent to be killed. Cette grange de maïs, c'était là qu'ils détenaient les gens de façon provisoire avant de les envoyer à être exécutés, et c'est là que j'étais. Après avoir détenu dans cette grange à maïs, êtes-vous retourné au village ou sinon, où êtes-vous allé? Did you return to your village, or did you go somewhere else? I was detained in that corn barn. J'étais détenu dans then cette I was allowed to live outside the corn barn next to the barn. De pouvoir rester à côté de la grange. I was given food to eat. And then people who were living nearby warned me not to eat too much, otherwise I would be killed. De faire attention de ne pas trop manger, sinon and actually, on me tuerait.
they guided me there, and I there only eat a small amount of food. Et je n'ai osé manger que de petites portions. And this situation lasted for 2 to 3 months. Et ça a duré 2 ou 3 mois. And then I heard of the news again that people said that two Cham people still survived. Deux Cham avaient survécu. And the Khmer people there actually did not hate me because we were the only two who survived. Nous étions les seuls à avoir survécu. And then the Khmer people named me Lim as a Khmer man and my wife Na as a Khmer woman. Because there was no Cham anymore. Car il n'y avait plus de Cham. Living in the village. Dans le village. The rumor kept spreading that another Cham was killed, and that I was put on a boat. Tué puis on m'a mis sur un bateau. And then later on, there was a rumor that I was amongst the children who were lined up to walk to Sambumir to be killed. Rumeur que j'avais été mis dans un groupe d'enfants qui avait été envoyé à Sambumir pour être tué. However, for me personally, toutefois, when I was sent on that journey, quand in fact, the boat machine voyage, was broken. Then the Khmer Rouge asked whether I could fix it. Bateau, and of course, I knew that the air inlet was broken. Si je savais réparer. En fait, j'ai vu que la bouche d'appel d'air était cassée. In fact, there was nothing wrong with the machine except that the air inlet was broken. Simplement que l'appel d'air était bouché. And I was about checking the machine, and then everything became chaotic as the Vietnamese troops were attacking from every direction, and the Khmer Rouge actually were fleeing everywhere. For that reason, the Khmer people on the boat to be killed survived. They were supposed to be killed at Riepai. From my estimation, in the area, in the end, all the Khmer and the Cham people would all be killed. On allait tuer tous les Khmer et les Cham. In fact, in Saxo, there was a reserve pit for the Khmer people. Il y avait une fosse pour les Khmer. And the size of the pit was 50 meters by 50 meters. However, it was fortunate that the Vietnamese intervened and liberated Phnom Penh, and we all survived. Phnom Penh, et nous avons pu survivre. Alors, il y a des Khmer, hein? However, the area is now grown with mango trees. Il y a des manguiers à cet endroit. And allow me to clarify the pit size versus my personal estimate. Cette dimension pour la fosse and que je viens de vous donner, c'est mon estimation personnelle. Was meant for the Khmer to be killed there because the Cham people had all been killed. Les Cham avaient déjà été tués. However, luckily, the liberation force intervened and my people survived. Et les gens survécu. There were several big pits in the area. The pit size was as big as the size of a pond. Et la taille de la fosse était celle d'un étang. We were fortunate enough that those people who we regarded as saviors came to rescue us. Que ces gens que nous considérions comme and as I said, the pits were dug in preparation for the killing of the Khmer people since no Cham people was living at that time. Car il n'y avait plus de Cham qui habitaient là. And I apologize that I keep repeating this because this is at least getting out of my chest and I feel better. Répète, mais c'est cathartique. And ça this is de not me a fiction. Et je n'invente this rien. Is a true event. C'est la vérité. Je vous remercie, monsieur la partie civile. Vous ne vous répétez pas, ce que vous dites est tout à fait important et cohérent. J'ai juste une dernière question
à vous poser et je laisserai ensuite la parole au coprocureur pour qu'il vous pose des questions de suivi et peut-être des questions plus précises. Vous avez indiqué avoir été dans un bateau avec des Khmers. Vous nous dites que vous aviez été emmené pour être exécuté. Vous a-t-on expliqué pourquoi vous avez été arrêté cette seconde fois? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on vous a arrêté cette seconde fois et pourquoi vous avez été sur le bateau? My life was dependent on the Khmer villagers there since all the Cham people had been killed. Car tous les Cham avaient été tués. And I think my life was spared because of my expertise in diving to untangle the net and in repairing machines. Et je savais réparer des machines. And that was the main reason to my understanding. C'est ce que j'ai compris, c'était les raisons principales. When I was put on that boat, I was meant to be killed along with those people. J'étais destiné à la mort comme les autres. But still, they used me to navigate the boat. Ils ont eu besoin de moi pour naviguer le bateau. But because I had heard earlier that the people had been killed at Ripai, and since the machine was broken, as they said, in fact, there was nothing wrong with the machine except the air inlet was broken or loose, and I pretended to fix the machine because I didn't want to take the people and myself to Ripai. L'on m'emmène moi There et les autres à my people on that boat, and that was the last boat to be sent. Et c'était le and dernier luckily, bateau they all survived. Heureusement, ils ont survécu. Because of our saviors. Grâce à Without them, we all would be dead. Where could we go? Because eux, the river was huge. Le fleuve était énorme. Vous avez indiqué tout à l'heure que lorsque vous êtes rentré à Satcho, il n'y avait plus de Cham. Est-ce que vous avez revu des gens du village plus tard, dans les années 80 et 90? Est-ce qu'il vous est arrivé de revoir des Cham avec qui vous viviez à l'époque à Satcho? Did you see the Cham with whom you had lived in Satcho later on? They actually separated everyone. However, some survived. Ils ont séparé les gens. Certains ont survécu, y compris who came from the same village. Qui venait du même village. His family also survived. Sa famille aussi a survécu. And Takam is also living. Est toujours vivant. Who survived the regime? But not everyone returned. Mais ce n'est pas tout le monde. And from my recollection, I only saw the family of Tassok who returned to the village. D'après mes souvenirs, je n'ai vu que la famille de Tassok qui est rentrée au village. And I do not see the rest of the native settlers in the village. Je n'ai pas vu les autres qui étaient originaires du village. Vous avez parlé tout à l'heure des fosses et vous avez décrit l'odeur qui émanait de ces fosses. Est-ce que vous avez revu ces fosses en 79 après l'arrivée des Vietnamiens? Did you see those pits in 1979 following the arrival of the Vietnamese? Rondau ba tam ngai da dai phum cham nung hoi. The pits were located in the area where the Cham people lived. Les fosses étaient là où vivaient les Cham. However, mango plantation is currently in the area where the pits were. Maybe the shape of the pit remains there. Peut-être qu'on peut toujours voir la forme de la fosse. Because the pit was large in size, as I said, it was about 50 meters by 50 meters. 50 mètres par 50 mètres.
And rumor was spreading around at the time that the pit was dark in light of the killing of the Khmer people. Voulait plutôt que cette fosse était pour l'exécution de Khmer. Je veux juste poser une dernière question pour clarifier ce point. Vous avez parlé de deux types de fosses. Vous avez d'abord expliqué que les chams étaient emmenés vers les fosses et vous avez décrit l'odeur qui émanait de ces fosses. Et dans un deuxième temps, vous avez décrit une fosse qui était destinée aux Khmer. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. Ma question portait sur les fosses où vous avez vu les chams se faire emmener. Est-ce que vous avez revu ces fosses en 1979? The pits where the Cham bodies were buried at the Otrokun pagoda. I did not see them during the Khmer Rouge regime. However, post Khmer Rouge regime, there was an organization, maybe it's ad hoc, un organisme, peut-être c'est ad hoc, asked me to accompany them to go there and to measure the pits pour mesurer les fosses situated in Otrokun pagoda. However, the area is now a plantation of mango trees and orange trees. Et des orangers aussi. Pouvez-vous décrire les fosses que vous avez vues? Can you describe the pits? Y en avait-il beaucoup, leur taille? Y avait-il, avez-vous vu des ossements à l'intérieur de ces fosses? Avez-vous vu des vêtements? Pouvez-vous donner un petit peu plus de détails sur ce dont vous vous souvenez? Clothing, and can you give us more details on those pits? Pardon. President, witness, please observe the microphone. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. La partie civile. The pits that I saw was empty. Que j'ai vu était vide. It was in anticipation of the subsequent killing. En préparatif. Here I refer to the pit I saw. Là, ici, but je parle nobody was killed and buried there. Mais personne n'avait été because tué ou enterré at that time fosse. The saviors came car to rescue our lives. Les so sont the pit was empty. Sauver nos vies. Et c'est pourquoi la fosse était vide. En 79, je vais vous dire ce que vous avez indiqué et vous me direz si vous êtes toujours d'accord ou non. Et je me réfère au document E3/5203, ERN en français 00321726, anglais 00242929091. 2091 en Khmer, et vous indiquez ceci. Après 1979, moi et d'autres villageois sommes allés voir des fosses creusées par les villageois en quête d'or. Là-bas, il y avait des odeurs pestilentielles, des quantités d'ossements, mais ils étaient dépourvus de chair. Certains cadavres avaient des vêtements, d'autres non. Bodies did not have any clothes. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode? Do you remember this episode? Après 79. That is after 1979. Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. If you don't recall that episode, no problem. I have testified to the best knowledge of what I know. J'ai dit about that happened. Plutôt, ma déposition est au meilleur de mes connaissances, ce dont and je I know that my parents were killed je there. Sais que mes parents ont été tués. That was the area that they were killed, and c'est I even tués. Heard their screams. J'ai même entendu leurs cris.
it is impossible. There are people could not be killed there. It's not possible at all because later on people went to dig up the pit and found some jewelry and gold. If my parents were to survive, they would return definitely to our village. Ils seraient rentrés dans notre village. Je vous remercie, Monsieur la Partie Civile. Je n'ai plus de questions. Je vous indique, Monsieur le Président, que nous avons dépassé de 10-15 minutes sur l'horaire que nous avions négocié avec le bureau des coprocureurs. Donc, je voulais l'indiquer. Je vous remercie. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les parties. Monsieur la Partie Civile, je m'appelle Vincent De Wilde et je vais vous poser des questions concernant ce qui s'est passé avant et durant le régime du Kampuchea démocratique, des Khmer Rouge. Tout d'abord, quelques questions concernant votre village, Cham, de Sakso et votre commune de Pim Chikang, avant l'arrivée des Khmer Rouge, donc. Nous sommes sous le régime peut-être de Sihanouk à l'époque. Est-ce que dans votre village, vous parliez exclusivement la langue Cham entre vous? The Cham language, the language you spoke exclusively among yourselves. Donc avant que les Khmer Rouges n'arrivent dans votre région, est-ce que vous utilisiez la langue Cham entre vous dans votre village, qui était un village Cham, effectivement? Et est-ce que vous connaissiez la langue Khmer également à l'époque? At that time, all the Cham people who prayed to Allah spoke tous les Cham qui priaient the Cham language. Parlaient le Cham. None spoke Khmer. Personne ne parlait Khmer. And only very rarely that we spoke il était rare que nous parlions Khmer. Justement, lorsque vous parliez Khmer, est-ce que les Khmer eux-mêmes savaient que vous étiez Cham? Est-ce que vous aviez un accent quand vous parliez Khmer, parce que ce n'était pas votre langue maternelle? Did you have an accent when you spoke Khmer, since Khmer was not your native tongue? Apply this principle to the Khmer people as well. When the Cham people speak Khmer, they speak with accent. Likewise, the Khmer people who speak Cham, the Cham people immediately know because they speak with accent. Dans votre commune, j'ai cru comprendre qu'il y avait des villages Khmer et des villages Cham. Qu'est-ce qui différenciait la vie quotidienne? Qu'est-ce qui différenciait votre vie quotidienne dans les villages Cham par rapport à la vie quotidienne dans les villages Khmer? Est-ce que vous aviez des traditions, des fêtes, des coutumes différentes? Et pouvez-vous nous expliquer lesquelles? Customs and traditions, and if yes, can you explain to us what the differences were? We all practiced our tradition and religion. Both the Cham people practiced their Cham religion and the Khmer people, they practiced theirs. Enfin, la religion des Cham et les Khmer pratiquent leur religion. Est-ce qu'il y avait une manière de s'habiller qui était différente également? En d'autres termes, est-ce qu'on pouvait facilement reconnaître un Cham d'un Khmer lorsqu'on se baladait dans votre commune de Pim Chikang? Was it easy to make the distinction
between a Cham and a Khmer as you walked around in your village? Đăng Vasily bằng piet. Of course. Đăng đăng. We would recognize if that person is Khmer or Cham based on the distinct clothes that he or she is wearing. Merci. J'en viens à la période où les Khmer Rouges sont arrivés dans votre région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il y a eu une première évacuation qui a concerné des dirigeants religieux de votre village? Targeted the religious leaders in your village. Evacuation took place. A majority of us were evacuated. Quand l'évacuation a eu lieu, la majorité d'entre nous. And they were sent to the upper part. La plupart d'entre nous ont été envoyés dans la partie supérieure. Be disintegrated and lived among the local residents there. Éparpillés ou séparés et pour aller vivre avec les populations locales. I did not know the motive behind the relocation of the Cham people. Ils ont transféré and I can say that half of the Cham people from the village la moitié des Cham was relocated at that time. Transféré à ce moment-là. I did not know about their fate. However, I heard that they were being placed in various villages to live with the local residents there. Est-ce que les chefs religieux et les érudits musulmans Cham, votre village, de votre commune, sont revenus après 1979 chez vous? Ou bien ne les avez-vous jamais revus? Je parle ici des Hakim, par exemple. Or you did not see them again. Here I am referring to a person like Hakim, for instance. Bắt mình đi trên. A number of people disappeared. However, a family of Kom Yusof actually returned. Beaucoup de gens ont disparu. And besides him, besides revenu, this family, I did not see any. Je n'ai vu personne. Quand les Khmer Rouges étaient au when pouvoir, the Khmer Rouge seized power, qu'est-il arrivé des mosquées de votre commune de Phim Chi Khang? À quoi servaient-elles? In Phim Chi Khang, what did they use the mosques for? They actually place a grinder at the mosque. Rice was also stored in the mosque as no one was allowed to pray in the mosque anymore. Personne n'avait le droit d'y prier. As I said, rice and its grinder were placed in the mosque. And according to our religion, women were not allowed to enter that sacred place, but they instructed women to go there and ground the rice there in the mosque. Dans la mosquée. Est-ce qu'à l'époque des Corans ont été saisis, then, des livres saints ont été saisis et brûlés dans votre village. Qurans confiscated and burnt in your village. Đinh man khinh đọt đẻ. Did not see them burn any holy Quran. However, we were explicitly prohibited from praying, from practicing holy Quran, from wearing headdress, and that we had to eat pork.
And that's what actually happened on the ground et at the time. C'est ce qui s'est passé à ce moment. Merci. Vous avez parlé auparavant de cette Previously, you spoke about this evacuation. De cette évacuation d'un grand nombre de Cham de votre famille, à tel point qu'il ne restait plus que 30 familles sur place. Families, vous avez déclaré à Issa Osman, c'est le document E3-9338, c'est un extrait du livre The Cham Rebellion. En français, c'était la page 0028665 jusque 5-6. En anglais, 0021-85-03 et en Khmer, 0021-84-96. Voilà ce que vous avez dit. En 1975, ils ont à nouveau évacué des villageois, mais à une échelle nettement plus grande cette fois. Une trentaine de familles seulement est restée. Leur intention était de tuer les Cham en les laissant mourir de faim ou de maladie. Or of illness. S'agissant des 30 familles restantes, elles ont péri behind, à plus ou moins brève échéance ou elles ont été tuées. Relatively soon, or they were killed. Les Khmer Rouges voulaient briser la résistance Cham parce qu'ils voyaient que si nous restions unis, because they saw ce qui s'était passé à Kopal would remain united, se reproduire. What had happened in Kopal fin could happen again. Vous avez déclaré end of what you had said to Issa Osman, free translation. Alors, vous avez dit dans cet extrait que l'intention des Khmer Rouges était de tuer les Cham en les laissant mourir de faim et de maladie. Sur base de quel élément avez-vous pu faire cette déclaration? Qu'est-ce qui vous fait dire que les Khmer Rouges voulaient tuer les Cham en les laissant mourir de faim et de maladie? My presumption. Je présume. I have experienced. I have experienced in the period. My relatives had been taken away. How could they let my relatives away since they did not return? My relative in Saxo had been killed, and I was one of the people they wanted to kill as well. I could make an escape. The person by the name Sauce survived the period. He returned. So they took me to be killed at the time. Monsieur la partie civile, vous avez parlé dans cet extrait que j'ai lu des événements de Kopal, une rébellion de Cham. Est-ce que vous en aviez entendu parler à l'époque, en 1975, ou bien vous en avez entendu parler après la fin du régime des Khmer Rouges? I was living in Saxo village at that time, and I heard of the rebellion. I was assigned to dig the ground using manual labor. I heard from others about the rebellion. I heard that there was a rebellion in Kopal, and villagers in Kopal would be cracked down, and from that time onward, situation was becoming worse for Cham people. There was a rebellion in Kopal, and it was cracked down. That is what I heard. So the regime was so concerned of my ethnicity, Cham people. Était vraiment préoccupé par mon ethnie, les Cham. And
they did not, they could not prohibit all of us from practicing our religion, although we were banned, but we were praying secretly, and because of the fact that we were insisting to practice our religion, Cham people had been taken away and killed one by one. Militiamen, three of them, the three militiamen would monitor two Cham people. And the three militiamen made up one team. Une équipe. Merci. Il y a un passage, enfin, que je voudrais lire, qui fait partie de votre constitution de partie civile, c'est le document E3/4706. On en parle également dans The Cham Rebellion. Mais dans le formulaire des parties civiles, il s'agit des références en anglais 00417861, en khmer 00369050, et en français 00089834349. Voilà ce que vous avez dit à propos de l'année 1976. Vous avez dit ceci. Les Khmer Rouges diffusaient régulièrement des annonces indiquant désormais, il n'y a plus de Cham ni de Khmer. Nous formons tous une nation, la nation Khmer. C'est pourquoi nous devons tous prendre le même repas ensemble. Fin de citation. End of quote, free translation. Est-ce que c'est une annonce que vous avez entendue souvent? Et vous a-t-on expliqué, est-ce que les cadres Khmer Rouge vous ont expliqué que les Cham devaient devenir des Khmers? Answer. They wanted all of us to be one nation, and they wanted us to be Khmer nation in early 1971. I may say they wanted to eliminate all Cham and had only one nation, that is Khmer. President, Mr. Himan, please listen carefully to the question put by the co-prosecutor. I believe you may not have understood the question well. That is why the answer appears to be straying from what the prosecutor wants. Je vais la séparer en deux. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'annonce en disant qu'il n'y avait plus de Cham ni de Khmer, mais qu'ils faisaient partie d'une seule nation Khmer? Est-ce que vous avez entendu ce genre d'annonce souvent? And did you hear this kind of announcement often? Often, réponse pas souvent. The village chief would not make such announcement very often. Ne faisait pas fréquemment. I was assigned to do the manual labor, digging the ground. There was such an announcement, but it did not happen very often. Mais cela n'avait pas lieu souvent. Bien. Fine. Je crois que j'en ai encore pour 10 minutes, un quart d'heure. I still have 10 or 15 minutes more of questions. I will concernant try la pagode to speed up a little bit. With regard to the Otrakun pagoda, avant que le grand groupe des Cham soit amené avec vous et que vous preniez la fuite, est-ce que vous saviez que cette pagode servait de centre de sécurité pour les Khmer Rouges? As a security center by the Khmer Rouge? Mm-hmm.
Lưu Tam Kế. Answer. Lưu Tam Kế. From others. Pol Pot mẹ đã biết việc anh chăng. J'ai entendu cela par oui dire. Pol Pot. Clique. Members of this clique were walking around and stating that people were shackled, people were detained. En disant que les gens étaient entravés et arrêtés. Est-ce que vous habitez loin de la pagode de Otrakun, dans votre village de Saxo? À combien de était la distance entre votre maison et la pagode? What was the distance between your house and the pagoda? It is my presumption that the house, my house, was located about 100 meters away from the pagoda. It is my presumption because I did not measure the distance between my house and the pagoda. Est-ce que vous avez déjà remarqué en 76 et 77, avant que vous soyez arrêté avec tous les autres chams pour être emmené à la pagode, est-ce que vous aviez remarqué une odeur pestilentielle autour de la pagode? Note that there was a nauseous stench around the pagoda. Answer. The pit. Les fosses. I was hiding in the pit in the pond, said a civil party, dans so I could smell the stench. And I was trying to take a long breath at that time because I was so hungry and I could say that the stench was having good smell instead because of my hunger. Merci. En fait, je parlais du moment où vous n'étiez pas encore dans le lac, mais avant cela, quand vous étiez dans votre maison à Saxo. Est-ce que vous aviez déjà senti cette odeur à ce moment-là? No one was living in Saxo village. They were not allowed to live in their respective houses. All of them were taken away and killed, said the civil party. Only two survived the period, another one and I. Bien, je ne vais pas insister par manque de temps. Est-ce que vous avez vu arriver des gens, des cadres Khmer Rouge du sud-ouest dans votre région? Khmer Rouge cadres from the southwest zone arrive in your region? I did not see at that time who were the high-level people and who were the subordinates. They had all dark complexion, so I do not know. I was assigned to carry dirt and to dig the canals doing the manual labor. I saw those people with dark complexion. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain Khan. Savez-vous d'où il venait? Est-ce qu'il avait un accent différent de ceux des cadres de la zone nord où vous étiez? Different from the accent of the cadres of the north zone where you were? Khan was did not originate from my village. He was not from my village.
I heard of the name Khan. J'ai entendu ce nom, Khan. I heard him say that let Taman survive the period. J'ai entendu Ta-Kan dire que Taman was not à cette période. From Saxo village originally. I did il not know at the Saxo time where he was from. De Saxo, mais je ne sais pas d'où il venait. Bien, j'en viens au jour où on vous a rassemblé et on vous a amené vers la pagode de Otrakun. Est-ce que vous pourriez nous dire combien il y avait de cham qui avaient été rassemblés par la milice, aux longues épées, ou par les autres miliciens? Perhaps 20, more than 20 or 30 Cham families were gathered and arrested. All of these people had been taken away, including me. That group included me as well. And those people may have died. It is my assumption. Bien, je voudrais vous lire un extrait de l'interview d'Issa Osman qu'il a fait de vous. Sur le document E3-9338, en Khmer, c'est la page 00218494, en français 00286656, et en anglais 00218503. Vous avez dit ceci, peut-être que ça vous rafraîchira la mémoire concernant les chiffres. Je cite, à 15h, les Khmer Rouges ont commencé à évacuer tous les Cham dans l'ensemble du district de Khang Mir. La plupart d'entre eux étaient d'anciens résidents des villages de Saxo, Antongsa et Angkor Ban. Nous étions des centaines de personnes. Fin de citation. End of quote, free translation. Est-ce que vous confirmez que les gens qui étaient rassemblés ce jour-là venaient de différents villages de votre commune et du district? All of them died because everyone was sent to work in the dam site, in the work site. So all of these people may have died because of the labor, and they were arrested together with other people, and they all died. Cham people died. Cham people from Saxo, Antongso, Angkor Ban villages died. We used to be working together. Some people, some Cham people were living in Antongso or Saxo village and they died. Le jour où les Cham ont été rassemblés dans votre village, est-ce qu'il y avait plutôt des dizaines de personnes que vous venez de le dire ou bien des centaines de personnes comme vous l'avez dit à Issa Osman auparavant? Tens of Cham people, I may say, and together the number of these people would reach 100 or even 1,000. Le chiffre atteignait une centaine, des centaines, même des milliers. There were only a few Cham people evacuated from my village, and I estimated that only 30 Cham families remained staying in my village after the evacuation.
And I believe other people would be taken in groups together and sent to elsewhere. Bien, le soir où il y a eu les exécutions, vous avez entendu well, that evening when people were executed, des Cham implorer Allah you heard quand lorsque vous étiez caché dans les buissons. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait également de la diffusion de musique aux alentours de la pagode ou à la pagode? Around the pagoda or in the pagoda. I heard screamings. J'ai entendu des cris. And crying, oh Allah. Des pleurs. Des gens implorant Allah. Calling to Allah for help. L'appelant à l'aide. I believe it was from the loudspeakers. If it was not coming from the loudspeakers, perhaps it may have been correct as well, because I was hiding close to that pagoda. I heard a screaming for Allah. Appelant Allah. And perhaps the screaming would may have come from a loudspeaker as well, but it is, I'm sure that it was the human beings screaming. Mais je suis sûr que c'était des cris d'êtres humains. Est-ce que vous êtes conscient que votre histoire, de ce couple que vous formiez avec votre femme qui a survécu au massacre à Sachsau, est très connue dans votre district et que beaucoup de gens, y compris des anciens miliciens, des anciens gardes, sont au courant du fait que vous avez survécu? Answer, yes, they know. Réponse, oui, ils le savent. 50% of them know that I and my wife have survived the regime. Savent que moi and et I was I am referred to Taman see the plough or Taman eating the water hyacinths. Celui qui mange les jacinthes d'eau. So I am referred to as what I have told you. Voilà comment on m'appelle. Est-ce que parmi les gardes ou les miliciens ou longues épées, vous avez connu une personne qui s'appelle Tai Kim Hoon? Did you know someone by the name of Tai Kim Hoon? Answer, I do not know this individual. Je ne connais pas cet individu. But I remember that there were many people coming to arrest all of us. Mais je me souviens qu'il y avait and I only could recall two names, as I have told the chamber already. I, at the time, knew many of them, but I cannot recall all their names. A president, Mr. Mann, please listen to the question carefully, because we do not have much time, and perhaps you almost run out of time, Mr. Co-Prosecutor. Oui, je vais terminer avec deux citations. Tout d'abord, celle de Tai Kim Hoon, dans un document E3-5257. E3-5257, à la page en anglais 00251021, en français 00342673, et en khmer 00243107 jusque 08. On lui pose la question suivante. Y a-t-il des Cham évacués ici qui sont toujours en vie? Réponse. Il reste une famille. Question, connaissez-vous le nom de cette famille? Réponse, le mari s'appelle Man. Je ne connais pas le nom de sa femme. Question, est-ce qu'ici tous les Cham étaient tués? Réponse, oui, peut-être, ils ont tous été tués. Et un peu plus loin, c'est vrai que les Cham ont été tués.
translation. Monsieur la partie civile, dernière question. My last dernière question. Ligne de question. Connaissez-vous un certain Seng Srun? Do you know someone by the name of Seng qui était un Khmer du village et qui a travaillé au village de Saxo également? Was a Khmer in a Saxo village and who worked there as well? President, please wait as the civil party, international council for Mr. Kyusampon. You may now proceed. L'avocat de M. Kyusampon prend la parole. Maître Antaguissé. Je ne sais pas si quelque chose m'a échappé, mais j'ai compris qu'il y avait une citation de M. Inman et je n'ai pas entendu Tae Kim-hoon et je n'ai pas entendu la question qui suivait par rapport à Tae Kim-hoon. Donc, je ne sais pas si ensuite M. le procureur a enchaîné sur M. Seng Srun. Donc, est-ce que c'est une session de rattrapage de ce qui n'a pu être lu à l'audience avec M. Tae Kim-hoon? Mais sinon, je n'ai pas compris. Oui, c'est pour les besoins du transcript. Je poserai des questions après la lecture du. De ce que Seng Srun a dit à propos de monsieur, du fait qu'il a, il a survécu avec sa femme. Peut-être pour reprendre, est-ce que vous connaissez ce Seng Srun dont je viens de parler? So, do you know this person, Seng Srun, whom I just spoke about? Srun. Srun. Yes, I know him. Oui, je le connais. He is living in Sambomir. Il habite à Sambomir. Sambomir. Ah. Je voudrais simplement lire ce qu'il a dit à votre propos dans le procès-verbal, non, c'est le rapport d'interview par le bureau des coprocureurs, le document E3-5302, la page en français 0062-3191, en Khmer 0063-51-76 et en anglais 0021-0488. Il a dit ceci: quand je suis rentré chez moi du chantier de Pring Chrum, on m'a dit de rejoindre un groupe de forces de sécurité de la commune qui allait chercher tous les chams chez eux. J'étais membre de cette équipe. Il m'a été demandé de garder les chams qui étaient arrêtés et garder à l'entrée and du to VAT. Keep them before the cela pagoda, s'est passé en août 1977. À cette époque, and tous les chams dans chaque village the de ma commune étaient rassemblés et arrêtés. Seuls deux chams ont réussi à s'échapper et à se cacher près du lac. Le nombre de chams arrêtés dans ma commune était d'environ 300 personnes. Et à la page suivante, il dit, vers la fin 1978, on a retrouvé les deux chams qui étaient parvenus à s'échapper, donc remontant du lac. Ils ont été arrêtés, mais pas exécutés. Ils sont vivants aujourd'hui et habitent dans le village de Saxo, commune de Im Chikang. L'homme s'appelle Kayman et la femme Im Chir. Ils sont mari et femme. Fin de citation. Seng Srun dans cet extrait est assez affirmatif sur la date. Il parle de août 1977 concernant le moment où on a rassemblé tous les chams et on les a amenés à la pagode de Vat au Trokun. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou bien vous pensez que c'est à une autre période que cela s'est passé? Answer. I know the person by the name Srun. Je connais le Srun. And in relation to the arrest of Cham people, I agreed to what he said. However, as for the exact date, I have no idea when exactly Cham people were arrested. It is true that Cham people were killed. I know this person very well. His name is Srun. Yes, it is true that Cham people were arrested.
As I said, I do not know when Cham people were arrested. Mais je ne sais pas quand les Cham ont été arrêtés. Deux dernières précisions. Est-ce que lui a parlé de 300 personnes de votre commune parmi la communauté Cham qui avait été amenée ce jour-là à la pagode? 300 persons from the Cham community. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou non? The pagoda. Do you agree with that assertion or not, that 300 people were led to the pagoda? Answer, yes, I agreed to that number. Avec ce chiffre. I was not tasked to be the village chief or the group or team chief. On ne m'a pas élu chef so de village perhaps ou chef it is true. Donc c'est peut-être vrai. So everyone gave the estimated number. Et so perhaps a Stone chacun a donné son estimation. Is more accurate in terms of the figure. I agreed to his figure. Je suis d'accord avec ce chiffre. I did not have time to count how je many Cham people were living in Saxo. Combien de personnes vivaient à Saxo? He perhaps was living close to the place where it happened, and he said that there were many Cham people died at that time, and perhaps he is quite sure. He is, you know, sure compared to what I told the court. President, please put the last question, Mr. Co-prosecutor. Poser votre dernière question. Merci, Monsieur le Président. C'est justement ma dernière question. Vous avez été, vous êtes connu, vous avez été même reconnu par certains gardes de sécurité, comme Tai Kyung-hoon, ou certaines personnes qui ont joué un rôle dans ce rassemblement des Cham, comme Sroon. Et vous êtes reconnu comme étant les seuls qui avaient survécu à cet épisode. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vivez avec cela au quotidien? Le fait que dans votre communauté, avec votre femme, vous êtes les deux seuls à avoir survécu à ce massacre de Cham à Wat Outrakwan. Comment arrivez-vous à assumer cela? Et qu'essayez-vous de faire pour transmettre la mémoire de cet événement aux générations futures de Cham? Hand down the memory of this tragic event to future Cham generations. We wrote. Answer. He survived the regime. Il a survécu au régime. Also survived the regime after. Moi aussi. The terrible situation that I had no food après for 3 months and 29 days. I was mangé pendant 3 mois et 39 in a terrible situation. It was my fortunate that I could survive. Dans une situation terrible. C'est President, bien I believe the question put lastly by the co-prosecutor is je suis d'avis que la dernière question du procureur is very complicated and the witness may not be able to respond to your question, Mr. Co-prosecutor. It is now time for the adjournment and the chamber will resume its hearing. Le moment est venu de lever l'audience. On 29 September 2015 at 9 a.m. Rather, 28 September 2015. September 2015. The chamber will continue to hear. La chambre poursuivra. Continue hearing the testimony of a civil party 2CW 252, and then the chamber will inform the following witnesses and civil parties to be here in the courtroom later on in email. Thank you, Mr. Him. Mr. Mand, the hearing of your testimony has not come to a conclusion yet. You are therefore invited to appear before the chamber once again on 28th of September 2015 at 9 a.m. Court officer, in collaboration with Wesu, please send Mr.
He meant to his resident where he is staying now, and please invite him back into the courtroom on 28th of September 2015 at 9. Pour qu'il rentre là où il demeure. Security personnel are instructed to bring Mr. Kisapon and Nunchi back to the ECCC detention facility and have them returned on the 28th of September 2015 before 9 a.m. The court is now adjourned. L'audience est levée.